Ça n'a aucun bon sens avec le REM. On est pris en otage sur la rive sud, puis on est tous pénalisés. On va tous arriver en retard au travail. Personne n'est compensé pour ça. Ils nous prennent pour des imbéciles. Ah ben, l'année 2024 commence, puis encore une fois, le REM est frappé par une panne, une autre panne, vont dire certains de ses usagers. Le service a été interrompu ce matin pendant environ 2 heures. Andy, les problèmes de communication, encore une fois, là, se retrouvent parmi les problèmes signalés par les gens. Le moins qu'on puisse dire, Michel, effectivement, c'est que la colère gronde. Vous avez entendu cette dame il y a un instant. La patience de bien des usagers s'effrite parce qu'il y a eu une autre panne, effectivement, et pendant environ 2 heures ce matin. Ce qu'on nous explique, qu'est-ce qui s'est passé exactement, Michel, c'est qu'il y a eu des travaux de réaliser la nuit dernière et suite à ces travaux, il y a eu bris d'équipement et donc ça a causé un problème d'alimentation électrique. Mais ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que le service est maintenant rétabli. Mais pendant 2 heures, donc, impossible d'embarquer à bord du réseau express métropolitain, interruption de service sur l'ensemble du réseau, dans les deux directions, Michel. Et encore une fois, les usagers montrent effectivement du doigt le problème de communication, disent ne pas nécessairement avoir été informés, non pas de la bonne façon non plus. À CDPQ, on dit, écoutez, on va s'asseoir, on va analyser ce qui se passe, il y a toujours moyen de s'améliorer. Et on avait promis avant les fêtes, Michel, on avait dit ça s'en vient bientôt, des alertes par texto. On en est où là-dedans? On dit ça s'en vient toujours, on travaille parce qu'il y a évidemment certains points au niveau des données personnelles, tout ça, on doit s'assurer que tout ça est sécurisé. Mais on y travaille toujours, vous allez entendre des usagers suivis d'une porte-parole de CDPQ Infra. C'est pas bien fait, on sait pas, il y a de navettes, ça fonctionne, on sait rien du tout. Et puis regarde les gens, hein, c'est froid, on bouge pas depuis 30 minutes. Je me suis mis en ligne, la ligne est longue, il fait froid. C'est la même chose à toutes les fois, les équipes vont s'asseoir, on s'assure avec l'opérateur qu'il y a un bon débrief de la situation qui est faite, puis on cherche toujours des façons de s'améliorer. Toute panne est une panne de trop. Mais faites-nous confiance, on y travaille à tout moment. Alors, on y travaille à tout moment. Et Michel, je parlerai un peu plus tard, autre sujet, là, aujourd'hui, des trottoirs glacés. Regardez, on est à Montréal, présentement, dans Rosemont, sur le boulevard de l'Assomption. Il y a des trottoirs où c'est très bien déglacé, très bien déneigé. Il y en a d'autres où c'est vraiment périlleux, voire dangereux de se déplacer. Je ferai le point avec Philippe Sabourin de la Ville de Montréal. Michel, d'ailleurs, on a constaté plusieurs chutes des personnes âgées ici. Il y a même une dame qui a été blessée sous nos yeux il y a un instant. Alors, la Ville dit rien qui est parfait. Michel, appelez au 3-1 si vous constatez qu'il y a des trottoirs qui sont glacés. C'est quand même tout un cocktail météo qu'on a connu ces dernières heures et ces derniers jours. Alors, évidemment, la Ville travaille à épandre comme ça de l'abrasif, du sel pour s'assurer que tout ça est sécuritaire. Mais il y a encore du travail à faire et ça, on le constate sur le terrain aujourd'hui. Merci beaucoup, Annie.